Sur l'arrestation de Vital Kamerhe, d'abord pour nous, c'est un pas vers devant. Et ça lit bien sur le plan, il y a bah, principe, il y a état des droits. Chef de l'État là, qui sait que voilà, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si on peut dire main noire, une main noire, ils en ont assis à dossier à Vital Kamerhe. Nous pouvons dire oui, soit non. Parce que je peux encore vous répondre. Le parquet général, ce n'est pas une institution privée du président de la République, Félix Tshilombo Tshisekedi, non plus. Misek Kamerhe et moins que Kabila, Zoé, Jeannette, Albert Yuma. Pourquoi Bango, Bazal Ibanda? Pourquoi sont-ils en liberté? Oui, c'est une bonne question, une question politique. Même au départ, je vous ai dit que les gens qui ont détourné des sommes colossales vivent encore en liberté. Moi, je ne trouvais pas cela normal pour tes collaborateurs, Nabiso, partenaires, Nabiso Vital Kamerhe, à Zala comme premier exemplaire. Partenaire Nabiso, accompagné Nabiso. Ah, moi. Nathan, on n'a pas si. Ok. Bao Bazaki, Bami, bien Kalawana, Basala, campagne présidentielle, n'a pas avion. Oh, quand on a bien. Mais partenaire, on a. Tout ça n'est campagne, Namut, Namutuka. Partenaire, on a accompagné Nabiso, Alité, Makas, pour tous à la place où tout ça n'est ce qui financement, il y a 100 jours à chef de l'État, ils ont un coût normal. Mais les profiter n'a pas vite quand même été détourné. Tous les dossier d'abord, il y a un bateau qui a 200 millions de dollars. Oui, il y a Jekamine. Je cite même les noms. Oui, il y a Jekamine. Voilà. Il y a 200 millions de dollars. Vous avez dit que la combo n'est pas. Albert Yuma. Albert Yuma. Ils ont confirmé alors. Vous avez confirmé en haut. Mais le dossier Zaki n'a pas géré. Oui, on tient au Kenya. Dans le dossier de Vital Kamerhe, est-ce que Félix va-t-il sacrifier son frère Christian Tshisekedi? Parce qu'il n'y a pas ça parmi Batouba Cité. Félix Tshisekedi ne peut pas sacrifier, émerger avec les gens d'Antivolère. Vive l'interrogatoire, vive la question-réponse. Oh, il va poser Vital Kamerhe, si on va trouver qu'il est innocent, parce qu'il y a qui est décidé autrement parce qu'il est sous-mapté. C'est pendant l'audition où on a compris que d'autres questions, il n'y avait pas de bonnes réponses. Et les réponses données sont proches de l'infraction du détournement. S'il est condamné? Bon, s'il est condamné, selon la loi, à cause de la copropriété. À cause de la. À copropriété, pourquoi, maître? Mais le casier judiciaire okay, voilà. Est abîmé, okay. En d'autres termes, des vierges. Et lorsque votre casier judiciaire a des lacunes, vous ne pouvez pas vous faire représenter. Il y a même des caméras en personne. On a Bango, ils agissent à chef de l'État. On a Bango, ils agissent à chef de l'État. Ah, tu es au Kanaki, Nairobi. Nairobi, oui. Voilà. Il y a un Zolinga, ça lire, biso, tout ça, tout ça. Non. Tant que je dépose qui plainte, la présidence de la République peut te basser l'enquête. Dans le programme à 100 jours, il y a un Vital Kamerhe à 104. Il y a un bateau FCC ou un mécène qui a détourné mon à l'État, on a détourné. Même chef de l'État a circuit, il y a comme un collaborateur. Quand il y a ma cambo détournement. Comportement, il y a bazo ben sayo, ozo bato parti politique au Kenabango na parquet. Et ça comportement moko, il y a un pays sous-développé. Un bon leader politique, ba pesinga invitation, je suis avocat, la telle invitation. Il y a qui correspondre. Mouton koye bate, d'abord il y a qui informer batoute. Il y a qui répondre. Ce qui va faire va reprocher un gars qui est avoué. N'abonnement. Parti même, il y a parqué, il n'est pas publié à qui. Sable. Que les gens normaux, que les gens sérieux ne peuvent pas les commettre.
au moment où au monde entier mobimba ils ont le bas confinement ils ont le bas que il faut garder la distance pour ne pas éviter maladie zoboma tous au lendemain tout le temps na ba médias internationaux que maladie zoboma ils ont zoba ba congolais qui ba nyamande ba lubi ba cowboy ba yé na kata ba groupe na groupe il y a eu combien de contaminés là bas donc ça pas acte irresponsable pour ngamo na sepe na ngote. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission OEP Sarabino Information à la INE. Donc vous avez le bien site www.africaelengitv. Je pense que vous êtes nombreux à suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Dossier Vital Kamerhe, aujourd'hui, deuxième jour, Vital Kamerhe a toujours dans la prison centrale de Makala. Nous avons beaucoup de sujets d'actualité politique autour de débattre au cours de l'émission Oyo, cours d'appel avec notre invité. Vital Kamerhe a été agressé dans la prison centrale de Makala. Toko solo la yango, na mona mboka oto ya milelo. En même temps, Kamerhe en prison, Félix Tshisekedi s'est-il tiré la balle dans le pied? Bokoye Bayango Awa, na émission na biso, dans le procès de Vital Kamerhe, est-ce que Félix va-t-il sacrifier son frère Christian Tshisekedi? Nous aurons à savoir dans cette émission. Félix Tshisekedi avance dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Donc voilà, nous sommes avec notre invité, avec qui nous aurons, n'est-ce pas, à parler tant soit peu, tant soit moins, information, tout est banan, nous place, moi, mon Zindoua, ma Kambangwe, comme il y a un niveau. Bonjour, maître Jean-Paul Mokwai. Bonjour, Ndeko, journaliste. Bonne santé. Santé, ça, bien. Voilà, santé, et ça, bien, parce que nous parlons de l'émission politique. Toi, entamé directement, na vif, il y a l'actualité, na biso, Vital Kamerhe aujourd'hui, na Katia prison centrale. Comment jugez-vous d'abord pour son arrestation, tant qu'avocat? Merci beaucoup sur l'arrestation de Vital Kamerhe. D'abord, pour nous, c'est un pas vers devant. Et ça lit bien sur le plan. Il y a bah, principe, il y a état des droits. Tout à fait. Chef de l'État, là, qui sait que voilà, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais, quand vous voyez, côté Namoutou, Katina Makala, Malamou Mingite, parce que, à sa résidence connue, la RDC, oui. Et puis, à son occupé poste, Mounene Makase stratégique, il a fallu attendre, au-delà, il y a comme même la prison centrale, bah, il y a ta na résidence surveillée. Hein? Il a fallu au-delà, il y a que 100 ans, on a parquet, le coup d'invitation, il y a qui, ben, il y a un président, c'est pas chef de l'État en tant que Maïssa suprême. À tout n'est pourquoi, bah, aussitôt, on a affaire, qu'est-ce qu'il y a, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, qu'on soit, qu'on soit en prison directement,
De ça malheur mingité. Et ça malheur mingité, on va revenir na point wana, mais avant tout, j'aimerais assez que toi ba, est-ce qu'on peut juger un directeur de cabinet du chef de l'État na parquet général auprès de la cour de Kinshasa Matete? Est-ce que ils ont la compétence na ye? Normalement, malgré que directeur à cabinet a un privilège à juridiction T, mais vu poste à occupé. Parce que directeur à cabinet, tout le monde a un ministre, directeur à cabinet, un président de la République. Parquet général pour la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Et ça, au niveau provincial. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que parquet général, wana, donc, l'État congolais, à Sala, plus de 10 parquets généraux. Tous on a nos temps, tous on a 11 provinces. Donc Kinshasa est un des parquets généraux. Au niveau de la province, au gouverneur à Kambaka. Mbujima est un parquet moko général, Kananga, par-ci par-là. Donc les autres provinces ont un seul parquet général. Il y a ici à Kinshasa où il y a deux parquets généraux. Donc c'est au niveau de la province. Et puis ça qui sent, c'est avec Toko Mingite, dossier à Bongo, directeur à cabinet, va entendre rien à parquet général pour la cour d'appel de Kinshasa Matete. Il a failli à terre. Est-ce qu'on peut dire ça, c'est une humiliation pour monsieur l'honorable Vital Kamerhe? Bon, ça ne donne pas le bon sens. Parce que nous avons le parquet général pour la cour de cassation dans ce pays. Nous avons le parquet général pour la cour constitutionnelle. Dans ce pays, directeur à cabinet, hasard représentant direct et à chef de l'État. D'autant plus, le code d'étonnement, il y a qui va constater que tant qu'il a construit un dossier dans le parquet général, comme on peut apparaître, il a fallu tout simplement, ne fût-ce que magistrat à se dessaisir du dossier, à Tindango, chef du parquet général, à ce dossier wana. Atteindre devant le magistrat compétent, les autorités judiciaires compétentes, Oyo, Bangaki va connaître litige, infraction, Oyo, Basitaki, directeur, la chef de l'État, parce que selon même leur programme, oui. Directeur du cabinet, la chef de l'État, Azanara, il y a vice-ministre, ministre d'État. Voilà. Ok. On ne trouve pas ça vraiment au nom des coutumes et usages judiciaires. Est-ce qu'on peut dire main noire, une main noire, ils ont un sima ya dossier à Vital Kamerhe? Nous pouvons dire oui, soit non. Parce que je peux encore vous répondre. Le parquet général, ce n'est pas une institution privée du président de la République Félix Tshilombo Tshisekedi non plus. Moins encore, une institution. Privé de sa famille politique. Là, c'est une institution de l'État qui est indépendante. Donc, une institution judiciaire de l'État qui est indépendante de connaître les infractions. Elle est même à la recherche des infractions. Nous ne pouvons pas dire que même Zaki, parce que Maïfa Zaki est indépendant. Ce qu'a Zaki est indépendant, mais la Kangi Vital a mérité. Alors, en d'autres termes, nous pouvons dire que peut-être oui. Pourquoi? Parce que le chef de l'État est le magistrat suprême. Tango Ayokaki, il y a eu une invitation de son directeur du cabinet au parquet général. C'était deux fois. Hein? Oui. Deux fois, oui. Il était informé. En tant que magistrat suprême, parce que ça sonne mingi, ils ont sabi son mingi, ça ne fait pas bien. Ok. Par trichement, il y a autorité judiciaire et il y a magistrat. Et puis c'est un truc à fixoir. Est-ce que Azalak n'a une habilité ou non? Il est le magistrat suprême du pays. C'est ainsi qu'on dit qu'il est le garde de la nation. Magistrat suprême. C'est-à-dire qu'Azalak dit qu'il y a un magistrat qui est un magistrat. Il a fallu d'abord assiéger le directeur du cabinet. Il est un magistrat à se constituer magistrat. À tout le directeur du cabinet a expliqué qu'est-ce qu'il y a eu. S'il y avait à arranger, à fixer un parce que le directeur du cabinet a compris qu'on allait arrêter dans un moment où il était. Parce que le directeur du cabinet a géré un dossier belé à la République. Il y a un membre du gouvernement, il y a une institution publique de l'État.
Quand Bazo Kangé voyait que la machine du chef de l'État est bloquée, donc le chef de l'État allait d'abord se constituer en tant que magistrat suprême, il allait se constituer à ministère public pour poser des questions de droit, pour poser des questions de clairvoyance à son collaborateur, partenaire politique. Que pourquoi votre nom est cité au parquet général après la cour d'appel de Kinshasa Matete? Oui, donc il a fallu, président de la République, en tant que magistrat suprême de ce pays, à se constituer ministère public. À Bengi, directeur cabinet n'est pas filé, son représentant, directeur du cabinet du chef de l'État en fonction. Il a fallu apposer, parce que au-delà même des dossiers. Mais s'il s'agit bien des détournements, il a fallu faire quoi à M. Félix Antoine Tshisekedi? Il a laissé la justice faire son travail, justice spéciale Moussa Nango, parce que toujours le bas, ah ouais, tout beau santé qu'état de droit est comme ça, la maître. Oui, état de droit est allé. Mais, leader et opinion, il y a une procédure pour les arrêter. Leader et opinion. Leader et opinion, quand il y a de manière ordinaire, il y a de. Parce que, se soulever, il créer des ordres. La place à détournement, il y a maintenant un homme. Or, un homme, il y a supérieur à détournement. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, leader et opinion, il y a un homme qui a été fait. Et surtout que, moi, je suis Vital Kamerhe, il y a partenaire politique, il y a le président de la République. Ou bien qu'il y a un DPS, il y a un caché, il y a un CT. Mais il y a un juriste. C'est des choses différentes. Partenaire, il y a un accompagné. Ah, moi. Nathan, il y a pas si. Ok. Bao Bazaki, Bami, Bia Kalawana, Bassala, campagne présidentielle, Naba avion. Oh, quand on a bien. Mais partenaire, on a tout ça une campagne, Namut, Namutuka. Partenaire, on a accompagné Bissualité, Makas, pour tous à la place où tout ça l'eau. Partenaire, on a Zande Konabiso. Tu es bien que, moi, na maïwana, a outa qui paie la majorité présidentielle de l'époque. Bazalaka na maturité na bango boye. Il y a question baza quelque plat na sommet à l'État, il faut batoche baba poche na bango etonda. Tu es très bien. Mais de quelle manière on pouvait gérer cela? On allège d'abord au départ. Aujourd'hui, on peut dire aux autres avancés, on va penser na yo, Vital Kamerhe est en train de subir l'ingratitude. Non, pas l'ingratitude. L'ingratitude, c'est trop dur. Parce que le chef de l'État actuel, c'est un homme généré. C'est un père de famille. Posez-moi la question, pourquoi je vais vous dire? Ils se sont entendus avec Vital Kamerhe que lorsque moi, je serai au sommet de l'État, eh bien, si nous avons la majorité au Parlement, vous serez Premier ministre. Et comme que Tango y a commis le sommet de l'État, majorité parlementaire ayez la bana FCC. À moins que moi Moussa Rosala ils aient pas conscient le but que bawo baza majorité ndé bawo bimisa premier ministre. Moi namboka fati atali partenaire na ya le but si ko to sa ni ya dinga zo primati. Comme il allait ainsi as directeur à cabinet normalement pour ce directeur à cabinet wana. Et qu'on a une famille politique, il y a président de la République. Jamais qu'on n'a parti politique, mon sous. Na motema malam, na motema ya courtoisie, na motema bon père de la famille, bâtier directeur à cabinet. Au départ, même il y a financement à 100 jours du chef de l'État. C'est que la fois passée. Que moi, je suis directeur de cabinet. Attendez, c'est le chef de l'État, na kati ya ya présidence, il faut que le monde entier, il faut que le juriste, il faut que le juriste, il faut que le
En cas de problème, ton acquis chef de l'État, nous avons au salaire, conseiller de lui, mais Bissot, moi, je suis directeur à cabinet, je dossier à Bissot, ce qui est, à on a ouessé, tu es habité. Ce qui est, ça a été, tu es habité. Ce qui est, tu es habité. Tu es habité. Tu es habité. Tu dossier, tu es habité. Répondre à te. Dans la présidence, il faut tous aller dans la juriste chevronnée. Par exemple, le programme, il y a 100 jours, il y a chef de l'État. Il n'y a pas eu la collaboration entre la présidence, ministère de Gibidje, et ministère des Finances publiques, ainsi que la Banque centrale. Ce qui financement, il y a 100 jours, il y a chef de l'État, ils ont un cours normal. Mais les profiter n'a vite quand même été pas détourné mon yo sur Ibiwan. Bah on a mis un koiba. Mais il a fallu que ça se mobe pour bailler batté. Parce que ça partenaire. Tozan a dossier d'abord, il y a bateau baibi 200 millions de dollars. Oui, à Jekamine. Je cite même les noms, oui, à Jekamine. Voilà. Baibi 200 millions de dollars. Albert Yuma. Des Arabes, ça confirmé alors. Vous avez confirmé en haut. Mais donc c'est ça qui n'a pas géré. Oui, on tient au Kenya. To kanina nous bangote. To chiba na bolo kote. Bah vandi bazo vivre un bon, bazo la bien, bazo voyager bazo bien. Albert Yuma dit FCC. Du FCC. Voilà. Je précise même. Voilà. De sa famille politique. Mais Oyaza Mutnabiso. Il a fallu au-delà. Il y a même le pourparler. Hein? Il y a un mauvais arrangement. Il a fallu un mauvais arrangement. De manière à ce que bah, reprocher par exemple 30 millions de dollars. Moi, je suis voilà le dossier possible pour ça la propreté. Aux amis de la présidence de la République, je suis 30 millions. Je suis un étendant. Ok. Comme ça, tout le monde a géré le dossier toute la sango sans suite. Parce qu'à sa partenaire, Moutoua présidence de la République, c'est de la sorte qu'on allait procéder. Voilà. Ndenge salamite, ndenge lobiki non, c'est la manière dont on pouvait procéder dans le dossier à Vital Kamerhe. Yozako tout le monde. Alors, on peut dire que Félix Antoine Tshisekedi, il est au courant. Dans ma Kamboutou et Legui, il est au courant Vital Kamerhe Basambisa qui est dans le parquet général après la cour. Il est au courant qu'un directeur du cabinet n'est pas en prison aussi longtemps que vous avez une surveillance, que vous avez une résidence surveillée. Bon, au nom du principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, moi, je ne sais pas que tu sais que tu as mon côté. Parce qu'il n'y a pas de justice. C'est le commandant suprême. Oui, mais ça suprême, oui. Mais ce qui a intervenu, et quoi, il y a beaucoup de gens qui ont des droits, comment Mouto, Aza Mouibi, Aza détourné, Aza protégé. Vous comprenez? Il allait le faire de manière politique. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que Vital Kamerhe, il n'est pas seulement directeur du cabinet, du chef de l'État, président de la République, il est aussi partenaire politique. Mais tant aux moins na place de Outakina passe au témoin na la dernière minute, a joué grand rôle pour être dans la présidence. Faiseur du roi, faiseur des présidents. Non, pas faiseur du roi, pas faiseur des présidents, mais plutôt le médiateur pour qu'il y ait la passation du pouvoir. Au moins vous reconnaissez. Mais on doit reconnaître. On doit reconnaître. Ce n'est pas un monsieur Oyo Balinga qui va s'ambisa na parquet général après la cour d'appel de Kinshasa Matete. J'ai dit non. C'est l'acharnement, maître Jean-Paul Mukwai. Il n'y a pas l'acharnement. En quelque sorte. Tant que déposé qui plainte. La présidence de la République pote basse l'enquête. Na programme à 100 jours. Baïbakte qui vit la caméra sans quatre. Baïbaka qui bat toi FCC ou un an, bah mes sénats qui ont détourné mon à l'État, bah on ne va détourner. Même chef de l'État, ça c'est oui, il y a comme un collaborateur, n'aïe. Na quatre, il y a ma cambo détournement.
Au départ, il y a eu la violation de la loi des finances publiques. Parce que cette loi veut que, lorsqu'il y a un projet, d'abord le président de la République n'a pas la compétence dans le système du pouvoir que nous avons, Yemoko Asala programme il y a 100 jours. Non! Il faut que cela passe par le gouvernement. Peut-être que vous avez dit que il faut projet où on a et passer dans le budget. Budget a-t-il quand on a finance publique. Finance à son tour, après si ordre la Banque centrale du Congo, Banque Pesa Mbongoana. Mais il n'y a pas eu la collaboration. Et la loi des finances publiques n'était pas respectée. Il y a un moment où il faut à profiter. Parce que nous avons dit que nous était l'administration de l'État. Malgré cela, c'était notre faute. Parce que le projet de 100 jours est un coût normal. Je ne suis pas sûr que nous avons 20%. Vous comprenez, n'est-ce pas? Acharnement voilà. Zate. Bisoto Zali, par quel genre les institutions privées à Bisoté? Et ça, l'État. Bon, chef de l'État en tant que magistrat suprême, a apprécié que le programme à 100 jours est à la enquêté dans le parquet général, près de la cour d'appel de Kinshasa Matete. Appréciation et garant de la nation, mais si j'étais à ses côtés comme conseiller, je dirais que. Ça, c'est un dossier qui vise des hautes personnalités où le parquet près de la cour d'appel de Kinshasa Matete est incompétent d'arrêter ces messieurs-là. D'autant plus, nous pouvons prendre ces dossiers des 100 jours du président de la République, le déposer par devant le procureur général près de la cour de cassation. Si j'étais à côté du président de la République comme conseiller, c'est cela que j'allais lui dire. Parce que le parquet général après la cour d'appel de Kinshasa Matete, c'est au niveau de la province. On ne doit pas oublier ça. C'est au niveau de la province. Parquet général de Kinshasa Gombe, au niveau de la province. Il y a les autorités provinciales, les membres des familles politiques, les membres du gouvernement, qui sont, n'est-ce pas, justiciables. Devant le parquet là, mais directeur du cabinet, du chef de l'État, selon leurs compétences, il est au même diapason avec ministre d'État. La question de savoir est-ce un ministre d'État peut être jugé devant le parquet général, je vous dirais non. Alors, si cela est non. Comme vous l'avez dit, maître Jean-Paul Mukwai, pourquoi il s'est passé comme ça? Il y a un lobby à acharnement. Je vous dirai non. Il n'y a pas l'acharnement. Le président de la République, chef de l'État, en tant que magistrat suprême, a apprécié que le dossier est à la parquet général. Donc qui a apprécié? Mais c'est le chef de l'État, non? Ok, voilà. Après ce que le dossier à 100 jours basse l'enquête n'a pas que j'ai général après la cour d'appel de Kinshasa Matete. C'est la volonté du législateur. Voilà. Une question. Oui. Caméra en prison, Félix s'est-il tiré la balle dans le pied? Bon, nous pouvons dire que, vous voyez, nous sommes humains. Parce que les gens même des caméras en personne, on a Bango, ils agissent à chef de l'État. Pour Nabango, il s'agit à chef de l'État. Au Kanaki, Nairobi. Nairobi, oui. Voilà. Il y a un Zolinga, Salir, Bisso, tout ça. Non. Tu sais que dit Asamutu Yajarwanate. Je connais bien le monsieur. C'est un monsieur logique. Mais ne fût-ce que quand le président de la République avait donné l'ordre au parquet général après la cour d'appel de Kinshasa, Matete, que c'est toi maintenant qui doit connaître ce qu'il y a eu dans les programmes de 100 jours. Il ne savait même pas que le nom de son collaborateur sera cité. Il est surpris de voir le nom de Vital Kamerhe parmi les gens qui ont commis les détournements. Est-ce que c'est vrai aussi, maître Toko, dans le paramètre?
On doit faire confiance à notre justice. Voilà, parce que jusqu'à présent, Azo bénéficie de la présomption d'innocence. Hein? Non. Oui. N'a pas que la présomption d'innocence. N'a pas que général pour la cour d'appel de Kinshasa m'a été. Il faut faire confiance aux autorités judiciaires. Surtout ces banques confiance. Tu as confiance, wapi. Parce que wana vu l'interrogatoire, vu la question-réponse. Oh, il va poser Vital Kamé, si on va trouver qu'il est innocent, parce qu'il y a qui est décidé autrement parce qu'il est sous-mapté. C'est pendant l'audition où on a compris que d'autres questions, il n'y avait pas de bonnes réponses. Et les réponses données sont proches de l'infraction du détournement. Yango, Balubi, n'a fonction à Zali Kokipé. N'a oya Pessi comme réponse. En réalité, il faut avoir la détention préventive. Maître, quelle est la différence entre prévenu et inculpé? Merci beaucoup. Prévenu au niveau du tribunal. Okay. On vous appelle prévenu lorsque votre dossier a été instruit et fixé au tribunal. On vous appelle prévenu. Lorsque vous êtes au parquet, on vous appelle inculpé. Et maintenant, Vital Kamere. Vital Kamere Azana régime y a inculpé. Voilà. Pas prévenu. C'est-à-dire, Azo juge il y a une présomption d'innocence. Voilà. Voilà. Ok. Bah, garder Yewana pour la confrontation. Tant que ça, la confrontation, bah, trouver que peut-être il y a eu quelques éléments nouveaux. Ou est-ce que c'est que Vital Kamere Azo prêt la vérité. Ou est-ce que Vital Kamere a commettre infraction et a détournement T. Automatiquement, bah côté liberté provisoire, si, et seulement si, bah moi que non, dossier, bah mon alerte ou bungé zongité, bah fixé na cour d'appel. Voilà, très bien. Nous sommes en train de cheminer donc dans cette émission avec notre invité, le maître Jean-Paul Mokwai, Oyolelo, Azana Platon Abisso, toujours sur le là, petit à petit. Dans cette affaire Vital Kamere Oyo, Balobi qui a détourné bon, plus de 32 millions Oyo Zobiman à la journaux. Donc voilà. Maître, en même temps, toujours dans les procès, dans les dossiers de Vital Kamere, est-ce que Félix va-t-il sacrifier son frère Christian Tshisekedi? Parce qu'il est passé parmi Batouba cité. Félix Tshisekedi ne peut pas sacrifié. Émerger avec les gens d'antivolaire. Ce qui Christian Tshisekedi a zappé parmi bateau va détourner le bien en espèce de l'État. Pas journée et zappé Ouana. Êtes-vous sûr, maître? Mais oui, bien mouto, bien fait Tshisekedi. Ben 50 hein? Ne confondez donc, pas, hein. C'est son frère, disons, hein, un maître. Je te dis bien, ce n'est pas la première fois. Félix, on a déjà arrêté son cousin, il n'y a pas 6 mois. À Makala, si Christian est parmi les gens qui ont détourné, je reviendrai pour vous dire Christian est à Makala. Merci bien. Félix, tu sais qu'il dit, avance vers le bon ou le mal? Il avance vers le bon. Il avance vers le bon, mais ne fait-ce qu'il y a d'autres histoires. Parce que le pouvoir qu'on a, ce n'est pas un pouvoir qu'on a eu sans accord. Il y a eu les accords avec les monstres, il y a eu les accords avec les amis comme Vital Kamere là, les amis qu'on a souffert avec. Comme il y a eu des accords, tous les dossiers, on ne peut pas aller avec le maître dans les principes de l'état des droits. Il y a d'autres dossiers vu les accords. Parce que pour se maintenir au pouvoir, des fois il faut respecter les accords. Il y a d'autres dossiers qu'on doit gérer. Mais si le plan que tout le monde attend, il est dans les bons. Mais politiquement, ça pose des problèmes. Ah bon? Voilà, merci. Laissez-moi quand même de lire quelques messages. La bande de Kobazo Kumela Biso, Baimboka, Obazali Banda.
bazo komela biso message na tangi na tanga ba message na bango pour répondre na place na bango à même temps na pe singote na Willy Mouchene le véritable code de Mboka. Et voilà, on voit un message très rapidement. Dans un message, justice a gagné, mais les calculs politiques deviennent compliqués. Si FCC exige la cohabitation, ministre, IDPS dehors, FCC est gagnant. Non, pas du tout. Pas du tout. Le pouvoir en place, c'est le pouvoir du peuple. Il y a combien de gens de l'FCC? Il y a combien de députés? Nous sommes combien pour toute la République? Balobi FCC et vous allez gagner en maître. Gagner sur base de quoi? Parce que la présidence de la République a des attributions qu'on ne peut pas toucher. Gagnant dans le sens que si FCC exige la cohabitation. À quoi exiger cohabitation? Pourquoi? Parce que moi, Namboka a ça sur le pouvoir actuellement, c'est le peuple qui gagne. C'est le peuple qui gagne et non FCC. Tout comme il peut dire, voilà, je vais gagner les élections, je ne dois pas postuler. En tant que garant de la nation, qui gagne, qui perd. FCC, vous allez battre. Vous allez battre, vous allez battre. Pouvoir Nabiso ya Congo, Tozo, Salango, Nassima FCCT. C'est un pouvoir où nous luttons que les intérêts généraux du peuple congolais soient actifs. C'est tout, non? Okay. C'est tout. Voilà, c'est tout. Question, deuxième question à Bandé. Vous comme la mission en plus 243 89 551 90. On est en direct. On est vraiment en direct. Vous comme la mission par préoccupation à Bino. Toko, Misango, toujours attendre la mission prochaine. Toko, tout n'a mis en avant. Bah comme awa na ndeko oyo tu peux vouloir bah awa affaire il y a 200 millions Albert Yuma autre pour préciser biso awa tu vouloir awa bah bise que caméra a volé et moins que Kabila Zoé Jeannette Albert Yuma pourquoi bango baza libanda pourquoi sont-ils en liberté? Oui, c'est une bonne question, une question politique. Même au départ, je vous ai dit que les gens qui ont détourné des sommes colossales vivent encore en liberté. Moi, je ne trouvais pas cela normal pour tes collaborateurs Nabiso, partenaires Nabiso Vital Kamere, Azala comme premier exemplaire. Donc, premier exemple, il y a rigueur, il y a lutte contre la corruption et où tu as la présidence de la République. Je ne voulais pas cela. Nalinga qui d'abord est banda libanda ya présidence de la République et après présidence de la République et ya Kolanda. Batba comment na malamu mingite. Parce Albert Yuma a détourné 200 millions de dollars jusqu'alors à sa liberté. Batnyo société wana bazo garder ba milliards ya mboko kaka parce ba travailler hier était kaka na mboko nde bayibi. Cité à la cité Kombo, il y a Jean Kabila, Bazaka na Congo, en liberté. Les droits. En liberté. En liberté. C'est ça que moi je disais. On allait commencer ailleurs. Parce que Mouto Azana Makala pour le moment, c'est notre partenaire. C'est notre partenaire. On allait même faire. On allait aller au-delà de l'état de l'état des droits. On pouvait même créer un arrangement amiable. On pouvait se référer à la théorie des droits qui présage mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Pour que, même de manière volontaire, à restituer même 50%, il y a un bon oyo, va estimer qu'il n'a pas preuve ou les moyens qu'il y a. Voilà, tout de suite, message à porte-parole de l'INC, en même temps conseiller camériste, monsieur Selemba. Donc voilà. Alobi, le problème est peut-être l'élection présidentielle de 2023 où l'homme est candidat conformément à l'accord de Nairobi. Mais il y a depuis 2023. Nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020. Alors s'il est jugé. Jamais. S'il est condamné. Bon, s'il est condamné selon la loi, à cause de la copostilité.
à cause de la... À cause postulée, pourquoi, maître? Mais le casier judiciaire est abîmé, en d'autres termes, de vérité. Et lorsque votre casier judiciaire a des lacunes, vous ne pouvez pas vous faire représenter. Est-ce que Félix, il y a ça, dossier est en assez, je vous ai déjà répondu, Félix n'est pas... Donc, le parquet général n'est pas une institution privée du président de la République, Félix Tshisekedi. Plutôt, c'est une institution de l'État qui a instruit le dossier en toute indépendance. Il ne faut pas oublier cela. Mais lorsque même les enquêtes ont été ouvertes, quand le président de la République, garant de la nation, Maïssa Suprême, avait demandé au parquet général pour la Cour d'appel de Kinshasa, Matete, d'effectuer les enquêtes pour en savoir plus à ses conseils de 100 jours du chef de l'État. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, on ne savait pas que le nom de Vital Kamerhe allait apparaître. Je vous rappelle encore, il y a eu un détournement de 15 millions de dollars. J'étais ici avec vous. Mais pourquoi on n'avait pas arrêté Vital Kamerhe à l'époque? C'est le chef de l'État a fait l'effort de convaincre le peuple. Peut-être c'était lui le commanditaire. Hein? Non, je vous dis bien non. Comment Vital Kamerhe a eu qu'au Liambongo 32 millions aussi longtemps, Félix a été... Je vous dis bien, vous avez eu actuellement un bon président. Le président que vous avez actuel, vous pouvez le comparer à celui de 1960 qu'on appelle Kassavubu. C'est un bon père de famille. Il n'a pas l'état de détournement. Il n'a pas l'état de commettre les détournements. C'est un monsieur qui veut que notre pays soit aussi un pays qui doit faire fierté devant d'autres nations. Sauf qu'il travaille avec les monstres. Les mêmes personnes qui ont travaillé avec le diable d'hier sont les mêmes qui viennent travailler avec. C'est là pose des problèmes. Leur devise, c'est quoi? C'est le détournement. C'est ça, le mal. Vous savez, Kamerhe a travaillé avec Kabila. Vous le savez bien, il avait démissionné lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez cause de ça? Yo, Oebi Makambo, Oe, le Kaki Namboka, Oyo, directeur cabinet de l'époque de Kabila. Il s'appelle professeur Bocha. Avait détourné 32 millions de dollars. C'est là où vous allez tirer la différence. C'est là où vous allez tirer la différence de connaître que le monsieur là et l'autre, il y a une grande différence. Et si aujourd'hui Vital Kamerhe, dans les affaires des détournements, 32 millions, a cité Kombo et Félix Antoine Tshisekedi dans cette affaire? Mais quand vous citez les noms du président de la République, il faut avoir des preuves, non? Si cela est vrai. Non, cela n'est pas vrai. Je vous dis bien, cela n'est pas vrai. Dans toutes les questions, ceux qui sont vitaux, la cité, le bique, n'allait qu'à Mouroté, n'allait qu'à Félix Tshisekedi. Mais la cité doit faire son travail, non? Bon, d'accord, on a besoin d'une. Je sais que ça, Moussa Nango. Moussa, maître, ça l'a clair. Mais c'est clair, non? Vous êtes ici. Il doit aussi comparaître pour se défendre, soit c'est moi aussi, je suis concerné, ou bien je ne suis pas concerné, qu'on nous amène des preuves. Ça ne sera pas la parole d'évangile, parce que Vital Kamerhe... Donc il sera arrêté. Vital Kamerhe, mais... Arrêter, c'est dire. On peut dire que le président de la République, il faut restituer l'argent que vous avez pris. Au nom de la loi, il peut restituer. Parce que si vous collaborez avec la justice, on vous reproche que vous avez pris 30 millions. Vous restituez 20 millions. On peut vous accorder la liberté provisoire. Comme on a fait avec le directeur de la Rao Bank, le directeur général de la Rao Bank. Je fais comprendre très bien. Donc, la charité bien ordonnée à ce conseil d'état des droits commence par soi-même. C'est ainsi qu'on a commencé avec la présidence de la République. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vital Kamerhe a été arrêté avec des preuves sur la table du PSG. Le magistrat instructeur a montré à Vital Kamerhe des preuves tangibles. Qu'on ne peut pas échapper. Tu viens avec l'autre comme étant une directrice
d'une grande entreprise, hein, de construction et consorts. Allez, vous allez avec à la banque centrale, il soutient l'argent, on lui donne. Mais la personne là n'a ni société de construction, voilà, n'a ni rien. Mais maître, n'allons répondre à ce place qu'on a parce que Bazaki est étonné. Mon invitation, seulement invitation, il y a Vital Kamere malement encore transféré dans la prison centrale Yamakala. Il y a une autre question pour répondre à Batou. À partir de quel moment on change les statuts d'une invitation d'un mandat d'arrêt provisoire et, dans le moment d'abord, peut-être autant d'invitation bientôt. Il a fallu au côté de Facebook, parce que y a Kango. Autant la carte d'invitation, on a. C'est un dossier qu'on a inscrit en RMP. Il y a un RMP, registre public. C'est-à-dire que c'est un dossier pénal. Formation, ça allait être autre chose. Là-bas, il y a un RMP. On vous a cité, on vous a invité, pas courtoisie parce que vous êtes proche du chef de l'État. Mais quand il venait. Quand tu es venu comparaître devant le parquet général, ce qui est le cas de la comparution, il allait rentrer sans problème. Ce que je vais garder dans le parquet général, ce n'est pas seulement qui est à Zapé Nakati à Potopoto. Potopoto, il y a un avant tout Zambon, le directeur Rabiné, avant tout Zambon, à Salakibo, avant tout. Bah, cité européen, bah, moi, que c'est clair que le monsieur, n'est-ce pas, était aussi dans les groupes des gens qui ont détourné. Alors, que voulez que. Qu'est-ce que vous voulez que la justice puisse faire? Que voulez-vous? Voilà, ça. Maintenant, na moyen mabé, mabé na moyen zakake, mabé on a na moyen zamoko. Zakake, Vital Kamere a une adresse connue en RDC. Vital Kamere occupe un grand poste de la RDC. Et que. Sa fuite n'était pas à craindre. Au-delà de la cheminée pour la prison centrale, le magistrat allait apprécier même pour la résidence surveillée. Okay. Voilà, très bien. Alors, maître, les gens disent que ce qui Vital Kamere à Kendaki prison, bien, allait être transféré dans Baboutou Boutou, c'était vers 19h30, dans la prison centrale. C'est parce que comportement. De l'INC et influencé quand même Bajij, Kofinga, Komelonce, Bilobaloba, Bamboakela. Est-ce que des trucs ou ce qui Vital Kamere à Kotaki prison, je pense que le comportement y a INCP et ça, de façon à ce que les bâtiments dans le banc. Normalement, parce tant Bajij, d'ailleurs, on ne mélange pas une institution. Mais c'est ça. Oui. Les gens normaux. Dans un pays déjà normaux, on ne peut pas attaquer le magistrat. On ne peut pas marcher sur la justice. Parce qu'il y a un peu de temps. Au moins, il y a un chef de l'État a coûté un budget de 4 milliards pour un grand pays d'Afrique. Un continent dans un continent comme le nôtre, 4 milliards de dollars. À ça, 4 milliards, on est pourquoi? Parce que Madoussou, elle est qui? Au lieu de tout gagner par 1-2 milliards, 5 ans, il y a présent, il y a ça, la fonction, attribue 10 milliards, Batouana, Baromoko, Bazouaka, 1 milliard plus, Tokot Saka, Bamillon. Mais chef d'État, ils ont dit que, Bambon, on y a sur l'État, écoute, la caisse, chaque année, tous à la ca, avancé, na où était le budget national. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais tant Yomoko, aux autres, 50 millions, Yomoko, aux autres, 30 millions. Tout ça combien au Bayi Bakabongo, Boutou. Mais qu'est-ce que. Quand est-ce que c'est avancé? Moi, quand je suis venu à l'État à lobby, à ça, contre la corruption, toi, pour y aller. Parce que Mboko, quand il y a eu et qu'on s'est développé, sous corruption, il y a eu ma casse na Kachamboka. Vous comprenez? Comportement, il y a Bazo Beng Sayo, Ozo Bato, parti politique, qu'on a bango na parquet. Et ça, comportement, il y a un pays sous-développé. Un bon leader politique, ma personne invitation, je suis avocat, la telle invitation, là qui correspondre. Mouton koye batte, d'abord, il a informé batte. Il a correspondre.
Ce qui va faire reprocher un gars, c'est que ça va être. N'a pas de mal. Il y a parti même, il y a parqué, il y a un publié qui. Pour nous tenir au courant. Non, est-ce que vous avez un publié qui n'a pas parqué? Non, bah, tu es INC, mais c'est bon. Oui, bango, je vais vous inviter le chef de bango, autorité morale de bango, basu, tirer photo, publier. Parce qu'on suppose que l'instruction est secrète. Ils ne peuvent pas publier, ce sont les hauts magistrats du pays, c'est le parquet général. C'est le parquet général. Ils ne peuvent pas publier cela. Je pense que ce sont les militants de l'INC qui ont fait cela. On t'invite, on n'a pas ministre, on n'a pas cortège, pourquoi tout cela? Ça se fait que dans les pays sous-développés, dans un pays développé, nakoya ya ko batama atana ka mwa voiture moko batba ko ibanga tena na ko tiwa ba auditionnga sou na za coupable batinga na prison na ko labore na justice ke ko benga batou au moment où pe coronavirus c'est au moment na katia monde batwan o ya yi combien de propagation moment où batba avec na parqué combien sont contaminés. Ce sont des actes irresponsables que les gens normaux, que les gens sérieux ne peuvent pas les commettre. Au moment où il y a au monde entier, il y a le confinement, il faut garder la distance, qu'on a évité, malade, il y a des gens. Toujours l'endroit tout le temps. Il y a des médias internationaux qui sont malades, il y a des gens. Il y a des gens qui sont des Congolais, des Nyamandé, des cowboys, des groupes, des groupes. Il y a eu combien de contaminés là-bas? Donc ça par acte irresponsable pour un moment, malgré, je pense bel et bien, et l'eau qui a mouné est indiquée, Vital Kamerhe dans la prison de Yangouana. Donc, quand même, tout le comportement, il y a INC, il y a comportement, il y a INC, il y a comportement, il y a Yemoko. Et influencé par Jibas, il y a influencé par Jibas, c'est un danger public, à quelqu'un, Makal. Ah bon? Je vous dis la vérité, c'est qu'il y a eu. Parce que tout le monde a un procès en attendant à fréquenter le parquet général, il y a des gens qui ont fréquenté le parquet. Tout le monde a été jugé, il y a plus de 200 personnes. Il y a des policiers, des gardes républicaines, des gardes policiers, tout ça. Tout ça. Non, non, ça pas ça. Hein? À l'heure actuelle, les gens cherchent à se remonter, à organiser leurs états. Ce n'est pas venir comme en rébellion au parquet. Et aujourd'hui, pour en finir, si Vital Kamerhe est innocent, vous allez lever la rane. Donc, c'est ça, non? Si vous êtes cité en justice, au cause de l'innocent, par une décision judiciaire, bah, qu'on confirme au Sali Amabe, seulement par une décision judiciaire. Innocence, il y a un mot qui est en train de se prononcer. Il y a un mot qui va se prononcer que Aza est innocent. Il y a une crédibilité de source davantage dans la population congolaise. Il y a une crédibilité, non? Parce que c'est une décision publique. Il y a quitté. Et il y a un média qui est Vital Kamerhe dans l'affaire qu'on lui avait cité pour détruire. Entre temps, mariage et continuer, Kaka? Cela doit rester dans leur appréciation. S'il doit apprécier que nous restons avec Félix, ce n'est pas Félix qui m'a accusé. Le parquet général n'appartient pas à Félix seul. Le parquet général appartient à l'État congolais. Alors, quand le parquet a fait l'enquête sur les 100 jours du chef de l'État, on m'a cité par le blanc. Les gens qui l'ont cité sont les gens de l'FCC. Tous les directeurs généraux là que vous voyez ont collaboré avec Kabila. C'est leur vie. Ce n'est pas Félix qui avait cité Kamerhe devant le parquet général, devant la cour d'appel de Kinshasa, mais c'était Kamerhe qui a volé. Il y a eu les gens qui ont été arrêtés, qui l'ont cité. Ça n'a rien à voir avec Félix. Ils peuvent continuer d'aller au mariage. Ils peuvent continuer sans problème. Comme ça, un mariage, moi, je suis Jean-Pierre Bemba. Voilà. Félix a fait un mariage dans mon beau Jean-Pierre Bemba. Voilà. Tokomi na. On a eu un lobby en quoi. Débat pas sur le Babata INC. On a eu OP. Non, Babata INC. Ah, ça va. Balubi, bah imaginez. Bah, du si. Vital Kamerhe, chef de l'État, a toujours prêt à collaborer avec Vital Kamerhe. Abo y était. Il y a des conditions. Tant que vous avez poursuivi dans l'État congolais, soit, premièrement, démissionner.
pour qu'un citoyen simple soit chef de l'État par ordonnance, n'inga no makio par ordonnance, à ko longolo, à ko suspendre par ordonnance. À cela côté, jusqu'à là il n'y a pas une ordonnance. Cependant, mon ami Bouka Vital Kamerhe. Et pour votre information, le chef de l'État avait reçu hier le membre de l'INC. Tout le monde qui est mauvais. Chef de l'État n'a rien à voir avec ces choses-là. Il n'a rien à voir avec ces choses-là. On a arrêté les membres de l'FCC pour détournement. On a pensé qu'ils voulaient saboter les chefs de l'État. On les a arrêtés. Ah, tout fait sur mon côté. Tout c'était collaborateur, né. Il y a des sanganan. Basité, allez, bakati ango, non, comme basité, batika. Je suis et quatre bon bakobande injustice. Il a fallu justifier Ketina, la soukha. Je sais pas s'il y aura une concession. Très bien, tout le monde aime son soukha. Mot de la fin, Nayo Lelo, na émission na biso cours d'appel. Maître Jean-Paul, je vous rappelle que j'avais récit pour vous. Maître Jean-Paul Mukwayi, dernière maloba na yo. Dernière maloba, na kwebi se batoyi NC, ba développer NT. Bisso, tant que président de la République, en tant que garant de la nation, en tant que magistrat suprême, a zwa ki dossier, yaye ya 100 jours, a pesi na parke, parce a constaté que a finança ki mbongo, batouan ba lingi ko sabote, ye, basa moussalate, crédibilité ya chef de l'État, et si la, na peuple congolais, tant que déposé ki, na parquet général pote a poursuivre avec les enquêtes que belte que oyabiso mona tatyandaku bakositeye biso belke batwa FCC bangonde bazo lité que mandat chef de l'État ezala ya mabé pote mokolita yokoka peuple baké a travailler ki bien té mais basiteye na batwa FCC Tolingato kase jisite ente loko basite moutina biso, toti kaka elingay pesa mabe parce que bisonde to ebisi peuple congolais. Bisonde to ebisi ba konza jisike, tolingay ta de droit, ba linga ba comprendre biso, mabe. Yango wana jisye sa di moussa nango, ba garda apaisement, yi depes, tache, INC, baza toujours ensemble, makambu ya justice eko separe bisote. Il n'y a pas eu la politique dedans. C'est la suite qui a travaillé. On doit voir dans quelles circonstances il peut y avoir une concession. Peut-être le soir va classer sans suite. Moi, j'ai beaucoup vu le caméra à regagner d'Akoune. Donc, tous à la tata unité, ma belle moko exalité, il n'y a pas eu une même noire, comme disent les gens dans le Facebook. C'est la justice qui a travaillé. Elle nous a montré qu'elle est capable. N'est-ce pas, d'inscrire les dossiers qui concernent les détournements de l'argent des 100 jours du chef de l'État. Alors que nous soyons ensemble, ça ne peut pas nous déranger de vivre ensemble avec vous. Ça, c'est de 1. De 2, nous sommes l'avocat du peuple. Tout celui qui est lésé, qui se voit lésé dans une affaire judiciaire quelconque, au moyen que, bah, tout fait dossier, benga bisona numéro wana. 0 81 238 22 88, soit le numéro il y a 09 99 098 518. En tout cas, Félix a ouvert envers tout le monde. A boy moutouté, aza mouta politique à CCT, n'a pas traité, aza linga batio nyo seza kotoboka, ou esa ke toi atteindre budget à mon été na katamboka pour te mboke ke liboso. Elles allaient fermer, bambon, yon soit l'État et qu'il n'y a pas de trésor public, de manière à ce que Mboko Labiso est tombé. Merci. Merci beaucoup, Maître Jean-Paul Mukwayi. Je pense que nous sommes arrivés vraiment à la fin de cet entretien. Donc, on a pas mal échangé dans l'émission Labiso Cours d'appel. Sujet d'actualité à Makasi et Minene. Sur l'affaire de Vital Kamerhe, le directeur du directeur de cabinet dit chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi. Donc nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci. Comme ça, la balégonie sur tout bataille qui bisso du début jusqu'à la fin. Et encore une fois, merci à Merveille Mampouille à la prise de vie.
Ba numéro oyo maître Jean-Paul Apissi bobengaye ou lingo kota na contact ou bengi na plus 243 to bande la numéro 09 99 098 518 518. Ça c'est RTL Vodacom, c'est le 081 238 22 88. Très bien. C'est par ici que nous bouclons cette émission. Je dis merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci à Willy Mouchine, merci à Papi Boza Mouzali. Un grand merci encore une fois à celui qu'on appelle Papi Boza. Non, non, pas Papi Boza. Voulais-je dire, il y a Boston également. Extrêmement bon côté Bozali dans l'Afrique du Sud, mode confinement. Et par ici que nous sommes arrivés à la fin. Et tout le monde en a une émission. Il y a Sika. Toujours na Afrique Ling TV, vous s'abonner massivement. C'est parti. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.